Hey, yo les gars, tout le monde, c'est Matrox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Alors, aujourd'hui, les gars, je vais vous présenter une nouvelle map. Ça fait peut-être une ou deux semaines qu'elle est sortie, elle est vraiment incroyable. J'ai eu le temps de la tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Vraiment, c'est un petit 8,5 sur 10, voire 9. Elle s'appelle Ferme du Sommercé. Je vous la mettrai en bio en bas de la vidéo. Les gars, c'est vraiment une map, elle est incroyable. Elle est assez grande et assez petite, je vais vous la voir maintenant. Vous voyez, il y a vraiment des grands champs, hein, comme c'est par exemple ces 4 là, là en bas. Et il y a vraiment des tout petits champs. Pour faire du RP, c'est incroyable. Genre, tu fais une ferme, tu commences avec du matos, tu finis avec du gros. En plus, tu peux pas te faire chier, t'as du forestier. Regardez, tout autour de la map, t'as du forestier. Vraiment, la map, elle est incroyable. Par contre, les gars, quand vous allez lancer la map, normalement, vous allez avoir déjà deux cases. Un macarmique, une batteuse, une coupe et deux trois bennes, enfin une ligne de bennes je crois, puis de quoi faire. J'ai tout vendu pour faire une vieille ferme à l'ancienne. Ça j'ai gardé de base parce que bon, je trouve que ça fait quand même vieux. Ça c'est du décor, hein. ça sert à rien du tout, vous pouvez rien faire avec. Ça c'est un petit truc à engrais, donc ça je l'ai gardé. Ça peut être stylé sur le massé. Le massé il est pas... il est pas sur le serveur, c'est un petit mode que j'ai installé, le massé. C'est celui-là. Non, petit tracteur. C'est celui-là. Le 165 4x4 chez Mass Ferguson. Après, je crois que je vais m'acheter le petit comme ça. Et le petit GD. Et après, on peut le ressort. Hein. Celui-là, le petit Nyland de la 85 000, il me donne envie aussi. Ça, les gars, c'est que des modes. Hein. Je vous fais voir là. C'est vraiment que du mode. Tout ça, c'est des modes. Jusqu'au 15, je crois que 15. Classe, c'est pas un mode. Ça, c'est un truc de base. En vrai les gars, j'ai visité entièrement la map avant de vous la présenter, j'ai fait un tour entier de la map. Et en vrai, il y a vraiment de quoi faire. Avec des potes, un coup au soir, c'est... Ou même genre pour faire des lives et tout, c'est vraiment c'est une super map. T'as aussi une presse, t'as une faneuse. Ça je sais pas ce que c'est du tout les gars, vraiment. S'il y en a qui savent, putain je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une balayeuse, je suis pas sûr vraiment. Je sais pas du tout avant de dire de la merde. Aussi les gars, vous avez un pulvé. Et une citerne pour mettre à l'avant de votre tracteur. Une citerne d'engrais. Quand vous commencez le jeu, vous avez ces champs-là, le 27, 24, 21. En vrai, la taille, ça va. Si vous voulez faire du comme je veux faire, hein, les vieux tracteurs, à passer du gros, c'est bon. Après, si vous voulez vraiment jouer avec les tracteurs de base, je pense que ça va être un peu petit. C'est parce que la vidéo, elle a bugué juste avant, je l'avais faite, mais j'ai jamais réussi à la retrouver. Donc, je vous la refais. Mais sinon au moins ouais, vous avez une bonne vous avez cette batteuse là. Non. Vous avez celle-là comme batteuse je crois. Je sais plus. Ouais, vous avez celle-là. Puis en tracteur vous avez un gros McCormick et un gros classe. Un gros casse pardon. Et un plus petit classe. Un plus petit casse. Donc en vrai, ça peut être fun hein, comme map pour jouer avec des gros tracteurs, mais je trouve que c'est mieux ce que je vais faire. Je sais. Normalement, je sais pas tout le temps accompagné. On sera peut-être 2 ou 3 sur le serveur. Et aussi, les gars, c'est un serveur où vous pouvez jouer avec les joueurs Xbox parce que je suis PlayStation. Donc, normalement, les Xbox, ils peuvent jouer avec vous. Aussi, les gars, je vais vous demander si vous avez des serveurs de TP. Je recherche des serveurs de TP parce que j'aimerais bien faire du TP sur Farming 22, mais j'arrive pas à en trouver. Donc les joueurs Xbox, les joueurs PlayStation, si vous en avez, n'hésitez pas à me donner le nom de la map en com et j'irai voir hein, si elle est intéressante. Ici les bâtiments c'est vieux, hein, vraiment je trouve que c'est vraiment bien. Par contre un truc que j'aime pas sur la map, c'est vraiment ces petits trucs là. Le créateur de la map il a mis des petits jouets en plastique là, je trouve que c'est dégueulasse. Il y en a à quelques endroits de la map, je trouve que c'est vraiment de la merde. Mais sinon la map est incroyable, vraiment regardez, tout fonctionne, hein. Vous pouvez tout ouvrir pour venir balayer avec la benne ici par exemple. Mettre l'eau, le fumier. Non, la map elle est vraiment bien, les gars. Regardez la taille des champs. Là, par exemple, c'est petit, hein, c'est vraiment super petit. C'est par exemple pour faire de l'herbe, y'a rien de meilleur. Les champs comme ça pour faire du foin, c'est super. Regardez les champs, c'est vraiment super. Hein. Ils sont vraiment pas très grands, ceux qu'on a pour commencer. Alors, moi, je trouve que c'est incroyable. Le petit silo à grain, vraiment, par contre, ça il est vraiment pas petit. Le silo à grain, je pense que. Ouais, ça il faudra peut-être le changer. Je suis pas sûr qu'il stocke grand chose. Le silo en silage, je le trouve vraiment bien. Pour faire une petite ferme comme je vais faire, il est largement suffisant, même voire trop grand. Donc bon, ça fera le taf. Ça, les bâtiments de base, ça c'est la maison.
Là on a les tables vaches, enfin animaux. Ça c'est les tables de rangement. Puis ça c'est une petite étape de rangement aussi. Je pense que les ballots, il faudrait les stocker là, parce que là on va entrer toujours avec le véhicule, ça peut être de la merde. Mais sinon c'est un beau petit bâtiment. Ils sont bien les bâtiments du serveur. Donc comme je fais voir, hein, tout peut être fermé, tout peut être ouvert. Donc voilà. Donc les gars, c'était juste une petite vidéo présentation du serveur. Je vais faire quelques épisodes sur ce serveur là. J'aimerais bien faire un TRP. Le but de la ferme, c'est de commencer avec du rhumatos, finir avec du rhumatos, hein, je l'ai déjà dit. En faisant du forestier, j'aimerais bien faire. De la récolte de pommes de terre ou de betteraves. Et faire de l'ensilage aussi. Et aussi les gars, n'hésitez pas en commentaire à me dire on pourrait faire quoi comme animaux. Comme premier animaux. Moi je suis chaud pour faire des vaches, mais bon c'est toujours la même chose que toujours les vaches. Parce que. Après ça. Faut voir quel animal aussi rapporte le plus. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est les moutons encore sur Farming 22. Farming 22, j'ai vraiment pas joué beaucoup. Je préfère vraiment le 19. Enfin, le 19, j'ai tellement séché que quand j'ai eu le 22, j'étais content. J'ai joué un petit peu, mais j'ai pas trop tryhard. Donc je sais pas c'est quoi qui rapporte le plus d'argent comme animaux. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, voilà. Donc j'espère que le serveur vous plaira. J'espère que vous allez essayer parce qu'en vrai, moi je le trouve incroyable. Vraiment, il y a de quoi faire sur le serveur. Non, c'est un bon serveur travaillé. Je vous ferai voir la map. Il y a vraiment de quoi faire sur le serveur. Donc les gars, si vous avez des idées, hein, aussi les maps de TP, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire, par exemple les animaux, commencer les récoltes, commencer par quoi et tout, ça pourrait être incroyable. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. C'était Matrox. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars.